PEGI 18. Vegeta! Peut-être qu'il y a des classes, je ne sais pas du tout. On verra.
Donc, on verra. Alors, après, nous passons sur du Vegeta. Lui, clairement, je le place en A. Parce qu'il est bon, il est l'autre attaque, il rend bien dans la team Super Saiyan, il rend bien dans la team où il est pas un Vegeta. Mais, ce qui est bien avec lui, c'est que c'est pas forcément une technique pour le ramener à jouer dans la team Vegeta ou Super Saiyan pendant son clair. Parce qu'il est bon, mais voilà, c'est un free to play. Et t'as mieux, encore un peu. T'as le Vegeta MF, je pense, qui est largement mieux. Il est bon, mais voilà, il reste bon. Bosch et l'air, lui je le mettrais en bon A aussi, parce que c'est une bonne unité qui a encore une épée, qui t'a encore plus fort, et j'espère que la table tout en vous donnant une prière. Sortez à nous, Bosch et l'air, je vous en supplie, Bosch a besoin qu'on farme sa team et qu'on ait un nouveau Bosch et l'air, et en plus Bosch et l'air, s'il y en a d'autres qui sort, mais ça va être trop cliché. J'imagine déjà que j'ai une prête. Ouais, je pense qu'il peut rentrer, il va bien rentrer dans la team forcément, je pense. En plus, je vais voir ça pour aller. Ah, mais vas-y, je vais pas voir ça, je suis en train de voir en même temps. Mais, bon, j'ai bien l'air, je suis en train de voir. Il est ancien. Pour moi, il est encore très bon. Il est vraiment bon. Trunks et Gotenks, eux, je vais mettre en A. Parce qu'ils sont bons, mais ils sont plus. Si tu les envoies en SSJ3, bah. Voilà, hein, c'est pas forcément des DPS pas uniques, hein, j'ai envie de dire. Ils sont bons, mais pas bons non plus. Bon, voilà. Et les Colifly, de façon Z, hein. Clairement, ils sont très très bonnes. Aucun jeu de mots, elles sont très bonnes. Elles ont l'auto-attaque, elles tapent très fort, elles rentrent dans Phi plein de vie. Donc c'est pas fort pour une unité dans Phi pleine de vie avec autant de DPS, donc ça fait plaisir. Elle rentre dans la team Force Joint, donc elle sera leader. Donc team Force Joint, il faudra que je pêche un mot sur ce team parce que j'ai envie de voir à quoi elle ressemblera dans le futur en fait. Parce que si tu regardes, dans la team Force Joint, tu peux mettre qui? Tu peux mettre Tenshinhan, Shaozu, Yamcha, Plume, Beerus Whis, Goku Freezer, Gotenks Gohan, Mai et en fait, il y a vraiment les persos qui rentrent dedans. Je sais pas de rendre compte, mais il y a vraiment là les persos qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Et cette catégorie pourrait être vraiment fatale, elle pourrait être vraiment puissante. Donc voilà. Alors, on a le Gohan du Battle Road. Oui, mais la question se pose même pas un jeu, les gars. C'est une soumette. Tu le ramènes juste pour la collection en fait, tu le ramènes pas pour les gros events, même Battle Road tu le ramènes pas. Tu le ramènes pour rien en fait, c'est un acteur de merde, il est nul. Est-ce que c'est nul, parce que il est vraiment nul. Goku est là, bon lui à la, au contraire de son fils, lui on peut le mettre en point intéressant parce que si tu tombes dessus on va prendre un embauche au moins. Tu dis ouais je suis bien parce que le mec il peut te donner plus de sens que tous tes persos. Mais il y a juste ça qui le sauve, il n'y a que son leader qui le sauve. Sinon je trouve pas ouf. Après nous avons Mecha Freezer et Oracle. Eux je les mettrai en bon A parce qu'ils sont très bons. Ils sont vraiment très bons. Ils rendent la souvenir virgolique, ils link très bien avec toutes les unités et ils boostent toutes les unités au passage. Donc vraiment cette unité elle est vraiment pas mal, elle est vraiment pas mal. Voilà, ça sera tout pour eux, hein, parce que on voit pas d'autre chose à dire sur eux. Majin Buu et lui je le mettrais bien en point intéressant. Moi je vais le mettre en 1. En 1 pourquoi? Parce qu'il est bon. Il y a la mecha de Switch, il peut se transformer en boue, il peut réa, il peut heal plutôt, il peut heal, je sais pas c'est quoi son DPS, après je sais pas trop vu en action, mais je sais qu'il est un très bon healer, et voilà, hein. Sinon il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Bardock a l'air lui, je pense qu'on peut clairement le mettre en S, il mérite d'aller en S. C'est une unité que je joue encore dans ma team Famitsu Goku. Il signe très bien avec tout le monde, il s'endort très bien, très fort, il peut de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, et ça fait plaisir. Mais il a la couleur.
je pense que je vais le mettre en bon. Il est très bon, mais vraiment très 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 bon. Il est en matching ligne de la boutique avec Warhol et Freezer Coat. Mika Freezer, je suis de bégayer sur ce blaze. Donc il y aura dans cette team, il y aura Trinity, il y aura Freezer Planet, il y aura Free, il y aura Couleur HDT qui se transforme et qui est en DPS de malade quand ils se transforment. Il y aura du Trunks, il y aura du Freezer forcément, et je vois pas d'autres percuteurs dans cette team. Mais vraiment, il est très bon, il auto-attaque beaucoup de fois, il tape fort, j'ai vu à 100% à l'action, il est à 100% à les amis, mais c'est n'importe quoi, il est trop fort à 100%, il est vraiment trop fort, il faut que je parle à 100% parce qu'il est vraiment fort. Après nous avons Trunks et LR, bon, lui je pense que je vais quand même mettre en S, parce qu'il est très bon, je joue encore dans ma team Saga du Futur, avec le Trunks en chance qui se trouve juste à côté. Là on passe sur Beerus et Whiseider, très bonne unité aussi. Ils rentrent bien dans la team Force Jointe, mais vraiment là en fait quand je regarde les unités dans la team Force Jointe, j'ai mis en S. Je me dis qu'il y a, attendez, juste dans la ligne PG il y a Gohan, Gotenks, Goku, Freezer, après il y a Trio GT qui rentre dans Force Jointe, Goku Arale, Keiko Diflora, Zamasu et Black Goku LR, Beerus et Whis LR, Gotenks et Gohan, Trunks et Gohan plutôt, Greta Man 1 et 2, Metal Cooler et Freezer, C18 et C17, Trio GT, Trio Cyborg plutôt, Yamcha et Plume et Tenshin et Shaozu. En vrai, dans Force Jointe, ça peut être une dinguerie. Faut que je teste une team Force Jointe, faut que j'essaye pour voir. Et vraiment, ça peut être une dinguerie. Dommage, j'ai pas qu'elle et Cauliflower. Donc, bref, on est sur Beerus et Whiseider. Très bonne unité, très bon leader, plus 120% pour une super puissance, si je ne me trompe pas, les amis. Très bon leader, très fort, très bonne unité. Bah, j'ai dit trois fois le truc, mais bon. Voilà, voilà. Goku LR, puissance, je le mettrai en bon. Qu'est-ce qu'il mérite le rang Z? Non, il mérite le rang S. Pourquoi? Parce qu'il est très bon. Mais genre, il est très, 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 très bon parce qu'il est un très bon leader. Il peut te heal avec n'importe quel type de sphère de kill. Ça, c'est une très bonne aptitude au passage. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Donc, je trouve vraiment bon. Et vraiment, bah. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui, il est bon. Gogeta et Vegeta, bon, eux comme Goku et Vegeta, je pense que clairement on peut dire qu'ils sont vraiment très bons, sauf qu'ils n'ont pas d'access skill. Est-ce que quand j'ai dit Goku et Vegeta, j'ai dit d'access skill? Ouais, ben non, je pense pas. Bon, on revient sur Goku et Vegeta et l'air SJ4. Eux deux ont un access skill et cet access skill est comparable à une attaque SP du meilleur UR 100% si vous voulez. Il a le coup, ils ont le counter, ils attaquent fort, ils tapent fort, ils ont tout. Bref, on repasse pour Gogeta et Vegito. Gogeta et Vegito, ce sont de très bonnes unités. Très très bonnes unités. Je vois un commentaire après quand SVB et LR va arriver dans la tier list. Très très bonnes unités. Vegito, il a le counter, Gogeta, il tape fort. Les deux équipes, quand ils se transforment, ils sont très très bons. Donc, c'est des unités complètes hein, sur Dokkan. Ils sont chacun leader de, leur catégorie Potalas et Fusion. Donc, vraiment, elles sont complètes. Après, nous avons Cellulaire. Lui, clairement. Et les deux Cellulaires, on va les mettre à côte de côte, en fait. Parce que Cellulaire, c'est. J'aime trop Cellulaire, en fait. Je l'aime trop. Je suis amoureux de Cellulaire, carrément. Cellulaire, il est très très bon. Que ce soit l'endurance ou l'intelligence, il y a une petite nuance, mais ils signent très très bien les deux. L'endurance il est bon parce qu'il fait du carnage, il tape très fort à 18, il y a quoi d'autre, il est très bon, je suis désolé, il est vraiment très bon. Le seul intelligence quant à lui, il a la méca de transformation et il en se transformant, il a un access skill, il est juste parfait, il est juste trop bon, il est juste trop trop bon. Après nous avons Trio, voilà, est-ce que tu vois un Trio GT? Trio Cyborg et LRE, on peut clairement les mettre en BG. Quand c'est ça sur le champ de bataille, mais voilà. C'est la catastrophe. Il te met des critiques, mais ma contre-tique, mais
n'importe quoi. N'importe quoi. Il est trop fort. Il est trop fort cette unité. Et ce qui est bien avec ce trio GT. Trio GT. Oh putain, j'ai du mal. Arrête avec le trio GT là. Arrête avec le trio GT. Avec le trio Sivor plutôt. Ce qui est bien avec eux, c'est que même si on sort en forme de masse, c'est-à-dire c'est 18 et 17, ils peuvent auto-attaque et lâcher des doubles SP, tu vois, dans un seul tour. Donc ça c'est vraiment très très bon et ça peut te carrer des rotins. Donc voilà, voilà pour eux. Donc dernier LR qu'on classe, c'est le SVB LR. Lui c'est le free to play le plus rentable du jeu. Tu transpires pour lui, mais tu transpires pas pour rien en fait. Tu commences le jeu en formant lui, mais dis-toi que t'es bien en fait. Tu pourras faire tous les events facilement en fait. Il tape trop fort, il stack son attaque à l'infini. Il a une bonne défense, il est entré dans un team saga du futur, saga, on va dire du temps, fusion, oh là là, c'est pas vrai, fusion, Potalas et c'est tout. Mais c'est vraiment SVB LR, tech, puissance. C'est l'un des LR free to play les plus rentables, même c'est l'un des LR free to play qui vaut quasiment un LR premium. C'est pas quasiment, il vaut un LR premium. Et en fait, donc voilà, vraiment SVB LR. Il est trop fort, il est vraiment trop fort. Donc après bah voilà. Donc mon petit commentaire par rapport au Gogeta, Vegeto et SBLR, c'est que je fais un constat. C'est-à-dire que aux 5 ans, si nous avons le droit au Vegeto Tech et au Gogeta Puissance, si Père Noël est bien gentil, c'est compliqué parce que pour moi, Vegeto Blue. LR puissance va prendre un sacré coup de vieux. Pourquoi? Le Vegeto Tech va arriver, il va bifler tous les végétaux en commençant par le Vegeto Endurance qui a gagné un ZTR il y a même pas 2-3 mois. Le Vegeto Tech qui va se faire bifler, ça c'est clair. Non, le Vegeto Intelligence, ça va regarder, ça va passer. Donc, Vegeto Tech, quand il va arriver sur la Glo, il va juste faire du carnage en fait, il va défoncer tout le monde en fait, tous les végétaux bleus vont être has-been en fait. Bon, ils vont être bons dans la circonstance où si t'as pas le végétaux LR bleu puissance ou technique, les endurances et techniques peuvent te carrer. Mais si tu les as pas, bah là ça va être chaud. En plus le végétaux, pour moi actuellement le pire végétaux sur le jeu. Hein. En fait, il n'y a pas de pire végétaux parce que tous les végétaux bleus sont bons en fait sur le jeu. C'est ça le souci. Même le technique, même s'il s'est fait dépasser par l'endurance, pour moi, ça reste encore une bonne unité en fait. Et je le mets à 100%, je ne le regrette pas du tout. Il est vraiment très très bon à 100%. Donc, non, faut pas le négliger. Il est encore très très bon. Il a encore de très belles choses à prouver. Donc, voilà pour SVB technique. Après, en ce qui concerne Gogeta, là, le coup va être moins puissant parce que. Sur Gogeta, il y a moins de concurrence, j'ai envie de dire. Parce que nous avons quoi comme Gogeta? On a le Gogeta du film, DBS. Oh, ah, mais oui, il y a le. Ah, mais non, en fait, lui, c'est bon. On a le Gogeta DBS puissance. On a le Gogeta DBS agilité qui a un méca de transformation. Mais en fait, lui, Gogeta agilité, lui, il s'en fout parce que lui, il a SSG1. Quand Gogeta puissance va arriver, je vous jure que vous pouvez faire des rotas de l'espace avec les deux. Quoi, je vous dis. J'espère que j'ai retrouvé un de mes lives où j'aurai un extrême, mais quand on vous dit les deux quand ils sont à côté, ils se poussent de bouffer, ils tapent hyper fort. Ils sont hyper forts les deux, ils sont vraiment trop forts à côté. Donc vraiment, il me hâte de voir une nouvelle fois ces deux-là se rassembler parce que vraiment, ils sont vraiment trop forts. Mais vraiment, vraiment trop forts. Après nous avons Gogeta Endurance, donc lui, je pense pas qu'il va forcément prendre un coup de vieux, hein, mais. Comme Vegeto, bah en fait pour moi c'est les Gogeta Blue et Vegeto Blue, c'est l'évolution logique de ces unités Gogeta Endurance et Vegeto Intelligence. Pour moi c'est l'évolution logique, donc ce sont les 2.0 on va dire, donc c'est un peu normal qui voilà. Mais après ils resteront bons parce qu'ils ont le meilleur leader de leur catégorie, ils ont plus 170%, donc ça on peut pas le changer. Donc voilà. Donc les amis, je pense que ça va être tout pour cette vidéo de Chirdi. Donc voilà.
N'hésitez pas à faire une tier list et à me l'envoyer sur Instagram. Vous pouvez venir me DM tranquillement. On parle et vous m'envoyez votre tier list et je vous dis mon avis sur la vôtre. Et vous pouvez donner votre avis sur la mienne dans l'espace des commentaires juste en bas de la vidéo. Donc la vidéo, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker. Et si vous aimez, ce concept et vous en voulez encore plus sur la chaîne, dites-moi dans les commentaires et likez la vidéo. Partagez la vidéo en grand max. Nous avons atteint les 500 abonnés. Et let's go les amis, 500 abonnés. Merci beaucoup. Nous allons organiser un fucking concours les amis, où je serai gagné des cartes Google Play, Apple Play et des comptes Dokken Battle. Et je vous promets que ça va être le dawa en fait. Je suis en préparation de la vidéo. En fait, j'ai plusieurs vidéos en cours. Donc, cette vidéo va sortir dans 2-3 semaines. Donc, ne soyez pas pressés. Et sinon, merci pour les 500 abonnés. On a atteint un cap de ouf, en fait. Mais vraiment, un cap de ouf. C'est vraiment un truc de malade, 500 abonnés. Mais vraiment, merci. Un grand merci du fond du cœur, les amis. Partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment en masse, faut qu'on atteigne les milliards d'abonnés. Oui, les milliards, c'est mon objectif. Non, je rigole. Imaginez-vous, je renomme ma chaîne 1 milliard d'abonnés challenge. Et en un jour, j'atteins 1 milliard. J'en fais plus que PNL, je m'en fous. Donc, voilà, ça sera tout pour moi. Et je vous dis à la prochaine vidéo.